Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Donc ce soir, je me propose de vous présenter la lampe pour vélo, enfin un kit éclairage pour vélo de la marque OK. Donc j'avais dans l'idée de vous faire des vidéos en mouvement où je passais à vélo à fond, mais je ne peux pas passer à vélo à fond parce qu'il y a des grenouilles partout sur ce chemin. Donc la lampe, vite fait, elle a trois modes d'éclairage, un mode faible, c'est déjà assez costaud, un mode stroboscopique, c'est sûrement pour la ville, et un mode fort, celui que je suis en train d'utiliser, donc je suis en moitié aveugle, je commence à avoir un mal de tête. Donc elle éclaire plutôt bien, mais ce n'est pas la lampe de l'année. Et on a des lampes qui éclairent beaucoup plus. Vous pourrez revenir en pleine nuit noire, ça y a pas de problème, vous n'irez pas à pleine vitesse. Le support en lui-même est vraiment très cheap, j'ai peur qu'il casse, donc moi je l'ai mis sur un VTT, mais je pense que je ne vais pas aller faire des bosses ni des pentes, parce que j'ai peur de retrouver ma lampe par terre. J'essaierai au maximum, mais ça ne me paraît pas top. L'éclairage arrière, il n'y a pas de problème, il tient, il éclaire super fort, vous serez très visible sur la route. Voilà, c'est ce qu'on demande en premier à une lampe de vélo. Donc je me marre parce que je peux plus bouger parce que je suis entouré de grenouilles qui copulent de partout. Et oui, on est bientôt le printemps et c'est comme ça. Vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce vers le haut. Vous n'avez pas du tout aimé, bah, un pouce vers le bas. Vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, soit sur YouTube, soit sur le blog. Alors je préfère le blog parce que ça reste. YouTube, on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà, et je vous embrasse bien fort et j'espère... j'espère pas vous faire d'autres vidéos comme ça. Bonne soirée.